Bon. Je suis là pour te parler à toi, à moi en fait, mais dans le futur. Tu vois, j'espère que dans 5 ans, tu seras à la tête d'une entreprise. C'est peut-être rêvé, hein, voilà, c'est clair. Ou sinon, tu seras dans une entreprise où tu te sens bien, tu te sens à ta place, tu te sens utile et où tu peux t'exprimer et parler de tes idées. Que t'organiseras des putains d'événements. Que tu seras là à vivre à 100 à l'heure, mais que t'auras appris à te reposer. Et que tu sauras le faire. Prendre du temps pour toi. Oublie pas. Oublie pas de prendre du temps pour toi. Si là tu la regardes cette vidéo et que tu te dis waouh, je m'arrête plus, je prends plus le temps. Oublie pas que à 17 ans, t'étais déjà tombée parce que tu prenais déjà pas le temps. J'espère que t'es devenue encore plus forte que tu l'es maintenant. Que tes douleurs du passé, elles ont réussi un peu à se refermer. Je sais que je guéris. Je suis en train de guérir. Je suis loin de cette sortie d'affaires. Et dans 5 ans, j'espère vraiment que j'aurai enfin soufflé. Ne me dis pas que t'as arrêté d'écrire. Parce que tu pourrais pas être heureuse. L'écriture, ça t'a guéri, ça t'a soulagé, ça a été une thérapie. Si maintenant que tu regardes cette vidéo, t'as été publiée même dans un petit recueil qui a été lu par 5 personnes ou que t'as tous tes amis qui l'ont acheté juste pour toi. Waouh, je te félicite. Et je suis fière de toi. Ça me paraît tellement impossible, là maintenant. J'espère que t'es heureuse dans ton chez-toi, que tu t'es créé ce cocon dont t'as énormément rêvé. Et que t'es heureuse dans ta vie sentimentale. Peut-être que t'es encore avec Andrew. Ce serait génial. Si c'est pas Andrew qui partage ta vie maintenant, peu importe comment ça s'est terminé, tu peux même lui passer un coup de fil. Parce que c'est le premier qui t'a compris, qui a pas toujours su quoi te dire, ni comment réparer la petite poupée fragile qu'il avait dans les bras, mais il a fait quelque chose que personne n'avait réussi à faire avant lui. T'as fait aimer plus fort que tout et il t'a fait sentir son amour. Je pense que ça, t'en avais tellement besoin. Tu peux encore lui dire merci. J'agis sans vraiment songer aux conséquences. Puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi, ah ah. Cher futur, moi, ah ah. Cher futur, moi, ah ah.